c'est un gros film d'action produit par Europacorp. C'est un buddy movie, c'est-à-dire c'est deux personnages, c'est un film de genre très américain, le buddy movie, qui est que deux personnages qui sont pas faits pour s'entendre sont forcés de coexister, voire de cohabiter, voire de collaborer. Et donc celui-là, en l'occurrence, est entre John Travolta, qui est un agent secret un petit peu musclé, et Jonathan Rhys-Meyer, qui est un peu plus jeune dans le métier et qui, lui, n'est pas habitué à ces méthodes-là. Voilà. Dès qu'on commence à tourner, on est déjà en montage. Oui. Enfin, moi, première semaine de tournage, je donne une semaine en gros pour qu'ils intègrent tous les premiers rushs. Pour ne pas être pris à la gorge, on a réussi à obtenir l'autorisation de commencer bien en amont ce travail-là, ce qui fait qu'on a été parce qu'on a pris confortable. Il y a eu différents types d'effets sur ce film. Il y a eu des prolongations de décors en 2D, en 3D. Il y a beaucoup de... Il y a un peu des passages de câbles parce qu'il y a des cascades avec des câblages. Il y a beaucoup de fonds verts. Beaucoup de fonds verts parce que je fais beaucoup de cascades et en studio avec des couverts qui n'existent pas. Ou en voiture, avec des poursuites de voiture que je fais généralement en fond vert en studio parce que c'est beaucoup plus safe et beaucoup plus rapide pour travailler avec les acteurs. En gros, je suis extrêmement libre de ma méthode de tournage qui est grosso modo la même que je tourne avec ou sans effets spéciaux. Je ne change pas mon rythme de tournage et mes procédures, ça change quasiment rien. On va très vite et on fait des mouvements de caméra qui seront de toute façon gérés en effet numérique après. On tourne en film. Et puis voilà, moi j'ai toujours un package de deux ou trois caméras pour la base, c'est-à-dire pour la comédie, on va dire, et un peu d'action. Quand il y a de l'action vraiment, j'en mets 4, 5. On s'arrange pour que Roxane ait... me prête trois caméras. Je te prête trois caméras en plus des miennes, parce que je ne me déparpille pas de mes jouets en général. Et donc elle a sa propre voiture travelling rapide et trois caméras pour pouvoir faire toutes les plures de phase, de profil, de serré, de long, de large, dans tous les sens. Les reflets, le ciel, tout ça. Qui permet de faire ses passes d'effet numérique sans empiéter sur notre temps de tournage à nous, parce qu'elle se met dans un autre coin et qu'elle fait ça toute seule. Voilà.